Bon alors, bonjour, voici le yoga de chez Lenovo. Donc le yoga, c'est un très bel exemple de tout le savoir-faire de Lenovo en termes d'innovation. Parce que quand on regarde ce produit, donc c'est un ultrabook, c'est-à-dire c'est un portable ultra fin. D'accord. Alors la particularité de ce produit-là, c'est qu'effectivement, on l'utilise comme un portable, on a toute la puissance qu'on peut espérer d'un ordinateur portable, la rapidité. Par contre, on se met en mode, voilà, je suis en déplacement, je veux consommer du média. Je prends ce produit, je le retourne, et alors là le clavier vient se bloquer et vient se fixer derrière. C'est-à-dire qu'on a une tablette de 13 pouces qui permet effectivement d'être utilisée intégralement comme une tablette classique et qui permet d'avoir avec soi et l'autonomie d'un ordinateur portable et la puissance d'un ordinateur portable tout en prenant vraiment un encombrement réduit. Voilà, je vous remontre la démonstration. Donc il y a un bouton hardware également qui permet à tout moment quand on rentre dans un menu, vous voyez, on veut revenir, si vous passez sur une... Par exemple, l'explorateur Windows, là vous êtes sur un environnement Windows classique, vous voulez revenir sur l'environnement tablette, vous voyez, l'environnement tactile, voilà, vous revenez simplement avec ce bouton-là. Donc vous avez le menu classique Windows 8 avec les photos, les vidéos et tout ce qu'on appelle les tuiles qui permettent vraiment un accès rapide. Mais à côté de ça, on veut revenir, voilà, à tout moment sur ce menu-ci. Alors le produit est prévu pour le lancement de Windows 8. Donc pour nous, techniquement, il est prêt. Maintenant, c'est une question de lancement de la part de nos amis de Microsoft.